C'est Jean-Raphaël, Kimberly et Violaine pour vous présenter Le Loup et l'Agneau de Jean de La Fontaine. Kimberly sera dans le rôle de l'agneau, Jean-Raphaël sera dans le rôle du loup et Violaine sera dans le rôle de la voix off. C'est parti! Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à Jean, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Bon, les gars, pour vous expliquer les choses très couramment, le loup, il avait la dalle. Il arrive. Il trouve l'agneau qui se désaltérait paisiblement et il se dit « Chouette !» Suivons la suite de cette aventure avec Jean de La Fontaine. Le loup se met en colère. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal. Plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Pauvre agneau, va falloir trouver de quoi te défendre, hein? Sire, répondit l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Vraiment, cher petit agneau, si prêt à se faire petit encore, plus petit qu'il ne paraît déjà aux yeux du loup, qui a hâte de l'accueillir. Dans son estomac, surtout. Poursuivons avec Jean de La Fontaine. Tu la troubles ! Reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Ah, chers amis, il y a de quoi rigoler ici. Hein. Alors, le loup, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu nous as caché des pouvoirs que tu aurais, parce que tu as le don, manifestement, de voir des choses qui ne sont même pas encore arrivées. On va mieux comprendre tout à l'heure. L'agneau lui répondit, « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je t'aide encore ma mère. Toi, tu as le don de voix dans le ventre des mères pour entendre la voix de leur bébé. Parce que autrement, va falloir nous expliquer comment tu aurais su, si tant est que la chose était vraie, que le pauvre petit agneau qui vient juste de naître parlait déjà mal de toi dans le ventre de sa mère. Va falloir que tu nous expliques, loup. Mais bon, n'allons pas chercher trop loin. Ta mauvaise foi est manifeste. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ben voyons, ah oui. À court d'arguments, loup continue, comme on dit, hein, la bêtise insiste toujours. Je n'en ai pas. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Ah, pauvre loup. Si fort, mais si peu intelligent. Mais il fallait nous dire, hé, l'ami, je vais te manger, n'est-ce pas terminé? Pourquoi aller chercher dans le ventre de sa mère, en dehors du ventre de sa mère, son cousin, sa cousine, toute la lignée, tout l'arbre généalogique? T'as perdu du temps, t'as faim, tu manges.
terminé. Mais tu cherches à justifier ton acte. Nous faire croire que tu as même une conscience. Ça, il fallait le faire quand même. Alors, chers spectateurs, vous imaginez la suite de l'histoire, ou pas? Parce que c'est là où on se dit, il va peut-être se produire un miracle. L'agneau va trouver subitement une force pour se défendre, ou alors son père, ou sa mère, sa grand-mère, son grand frère, que sais-je, viendrait le défendre. Mais non, pauvre agneau, voici la fin de l'histoire. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Ah, cruelle histoire. Cruelle fable, cher Jean de La Fontaine. Moi qui aimais tant cette fable quand j'étais encore enfant. En grandissant, je me suis rendu compte de sa cruauté. Mais, à ma grande désolation, je constate également que cette fable est toujours d'actualité. Même au XXIe siècle. Nos élèves, nos enfants, nos jeunes continuent à se faire harceler à l'école, dans les rues, et même assassiner dans le silence ou dans l'indifférence. Des innocents se font encore assassiner à croire que les fléaux d'antan sont encore de notre temps. Cela devrait nous faire réfléchir. Eh oui. Chacun peut décider de ne pas être loup. Ou alors, chaque agneau devrait réfléchir à sa stratégie de communication. Ou à son plan d'action. Merci, chers petits acteurs. Bravo. Et merci à vous tous qui aurez suivi ceci. Hommage à Jean de La Fontaine. Ciao, ciao.